Les travaux qui ont été réalisés cet été en conjointement avec les bâtiments domaniaux du gouvernement, on a remis un escalier hélicoïdal, donc l'escalier qui va du 5 mètres jusqu'au 10 mètres, qui va nous permettre d'exploiter, après le démontage de la tribune du Grand Prix, le plongeoir du 5 mètres et du 10 mètres, qui était un retour aux sources puisque le 10 mètres existait il y a quelques années et qu'il avait été arrêté pour des raisons de sécurité d'escalier. Également au niveau des vestiaires, donc on a refait les plafonds, on a refait de la peinture, on a changé les tapis de sol pour avoir encore plus d'hygiène, on va dire, sur la piscine. Et également ont été refaits la plage, donc, qui est actuellement sous la tribune du Grand Prix. On a refait toute la plage en carreaux antidérapants. Le travail a commencé dès la fin de la patinoire, donc au soir du 8 mars, quand on a fermé la patinoire. On a commencé tout de suite pour pouvoir être prêt le plus proche possible le 28 avril. Donc il y a un mois et demi de travaux, mais qui ne sont pas... C'était vraiment court. C'était vraiment court. Donc le 28 avril et demain matin, l'ouverture de la piscine à 9h, on sera prêt. Donc le personnel sera prêt pour pouvoir ouvrir et accueillir les premiers clients qui vont venir profiter des joies de la baignade en plein milieu du port.